Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On commence à approcher de la fin, le GE me dit qu'on est à 96% de requêtes complétées. Et je suis allée voir sur le wiki pour savoir où trouver nos calamars. C'est parti. Alors du coup, nos calamars, ils se trouvent eh bien, du côté de Furogawa. Donc on va aller du côté de Furogawa. Pourquoi ne puis-je pas voyager? Je sais pas. Furogawa, c'est par ici. Hein. C'est peut-être un petit peu plus au nord. Toroyama, Shangirenu, Iwashima, Okeshi. Furogawa, c'est là. Donc on va aller du côté de Furugawa et on va pêcher nos calamars. On va même se payer le petit luxe d'y aller carrément jusqu'à Furugawa. Et de se mettre à pêcher le temps du chemin, tranquillement. C'est aussi là qu'on voit que j'aurais peut-être pas dû arrêter de planter des trucs et de pêcher. C'est vraiment. Du coup, je me retrouve à être obligée de tout pêcher en masse et de tout faire en masse le temps de finir la quête d'Elena. J'imagine que l'intérêt est qu'on est censé avoir plus ou moins des réserves et puis voilà. Voilà, un calamar. Je vais en pêcher un autre, si possible, histoire d'avoir un petit peu de réserve. Mais c'est pas essentiel. Ah, une bouteille. On va peut-être pas insister. Un dernier essai. Non, ceci n'est pas un calamar. C'est pas grave, on a eu notre calamar, c'est tout ce qui compte. On va sonner cette cloche. Ce qui devrait réveiller Jackie. Voilà. Non. Chouette! Wow, des livres! Ouais, ça me ramène loin en arrière! Je serais peut-être devenu quelqu'un d'autre si j'étais resté aux études. Quand j'ai abandonné l'école, mes parents m'ont mis à la porte. Ils... Merde. Non, ils m'ont pas mis à la porte. Pas tout de suite. J'ai passé les quelques années suivantes à traîner. Je me rappelle même pas ce que je faisais de mon temps. Rien, probablement. Ils ont été gentils. Mais à partir d'un moment, ça a commencé à s'engueuler. Et beaucoup, à propos de tout et de rien. Et quand j'ai déménagé, j'étais trop fière, on a arrêté de se parler. Donc j'imagine qu'ils m'ont pas mis à la porte. Tu connais la suite de l'histoire. J'avais besoin d'un travail à l'hôpital, il manquait tellement de personnel qu'on engageait n'importe qui. Quelle décision merdique! Et je ferais mieux de me mettre à la lecture, merci Stella! C'est parfait! On va refaire un petit peu de musique pour faire pousser ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment... Peut-être que Jackie aura d'autres quêtes à nous donner, mais du coup... Là, il nous reste vraiment pas grand-chose. On pourrait nourrir Buck aussi. On pourrait... Espérer un nouveau magazine des pilleurs de trésors.
Voilà, c'est poussé. Et je prive ces abeilles de tout ce nectar. J'ai pas regardé combien nous en avait là des feuilles de thé. On va ouvrir ça pendant qu'on y est. On en est où? 28 feuilles de thé, 27 grains de café. On va planter tout ça. Et après, j'aurai plus de feuilles de thé. En tout cas, plus de graines. Donc, peut-être que il y aura des choses à faire en plus. Je pense que ça devrait suffire, hein. Normalement, on devrait en récolter deux. Là, peut-être deux également. Ça devrait nous permettre de finir. Et on va attendre de voir si Jackie nous donne une autre quête, hein, avant de partir. J'ai l'impression que Buck nous donne, je dirais pas à l'infini, des trésors à chercher, mais peut-être un peu. Peut-être que Jackie, que Buck n'est pas à déposer au seuil éternel. Je suis un peu étonnée, mais on a déjà fait 4 trésors et pour l'instant, on n'a rien d'autre. D'ailleurs, du coup, quitte à rien faire, autant faire pousser tout ça pour aller voir Francis et compléter notre quête. C'est vrai que c'est plus facile quand on a plus d'esprit. Puisque du coup on a plein de quêtes à mener en parallèle alors que là on attend un peu. On voit qu'à chaque fois, Jackie vient voir et à chaque fois, on lui empêche de venir voir. Mais on a quand même récolté un petit peu de miel, hein? Alors, est-ce que c'est... Ah ben non, voilà, c'est pas suffisant. Il manque un café. Forcément. Jackie, t'es devant, je peux pas planter. Je vais planter un autre café pendant qu'on y est. Et bah, du coup, on va rejouer de la musique. Ce sera un épisode où on fera beaucoup de musique. Et ensuite, on s'attellera à trouver notre cher Francis. Et je vois qu'on a du courrier. Je sais pas du tout combien de magazines des pilleurs on est censé recevoir. D'un côté, ça m'étonnerait qu'on en ait à l'infini, et de l'autre, je vois bien que bah, on en reçoit, et il se passe quand même pas grand-chose côté Buck. Je veux dire, il est content qu'on ait reçu nos magazines, mais c'est plus ou moins rien d'autre, quoi. Du coup, on va ouvrir la lettre. Le magazine des pilleurs présente le cinquième des trésors perdus de Crozen Inc. Et rappelle-toi, la pluie, la seule façon de faire monter rapidement le niveau de l'eau. Voir la carte Portulan incluse pour plus d'informations. Avant, du coup, normalement, on a tout ce qu'il faut. On va essayer de trouver Francis. Est-il pas très loin? Absolument pas. Il a dû rester coincé où on était la dernière fois. Ah, ok. Proche d'un arrêt de bus, c'est parfait. On va pouvoir le rejoindre facilement pendant qu'on regarde notre carte. Alors, notre carte. Vous avez faim, les gars, hein? Tu veux du miel? Il a cueilli du miel, c'est parfait. Je t'ai fait du
avant que j'oublie. Je t'ai fait du poulet grillé. Qu'on dirait. Qu'est-ce que c'est, santé? Ouais, désolé, c'était l'heure. Je mange pas ça. Un jour, tu manges du kaké, du quinoa, du calé et du quinoa. Le lendemain, soudain, tu es dans une secte qui vénère les dieux des jus. Non, merci, pas pour moi. Ok, il aime pas le santé. Donc, à mon avis, il va aimer les trucs un peu gras. Oh, ça sent bon. Tu sais, j'essaie de manger plus sainement dernièrement. De pas manger de malbouffe, alors je devrais pas. Mais diète stricte, ça fonctionne jamais, non? Le truc, c'est de se faire plaisir une fois de temps en temps. Et j'étais sage, très sage. Alors je vais manger cet aliment frit. Merci beaucoup, Stella. Ok, on sait toujours pas ce qu'il aime exactement en aliment préféré. Mais il aime la viande et il aime le frit. Il est content d'avoir eu un câlin. Notre ami Bug va parfaitement bien. On descend cet escalier. On va voir Alex. On voyage pour retrouver Francis. Et on va regarder notre nouveau magazine des pilleurs de trésors. Alors, du coup, notre nouvelle carte. La cinquième carte. Elle nous montre une grosse île là et une étendue flottante en forme de patate. Oui, tout a une forme de patate avec moi. Ok. Là, comme ça m'inspire pas. Mais on sait jamais. Je pense que ici, Francis va nous retrouver. Alors, il faut trouver la patate qui ressemble à une patate. Une patate, une île et un bout de... Ouais, ça pourrait être ça. Ah, j'aime assez l'idée de la patate avec l'île et on avait vu qu'il y avait un truc sur le côté. On va jeter un coup d'œil, vérifier si on dit pas trop de bêtises. On a une patate. Avec une île et un bout là. Ça pourrait, ça pourrait. Et du coup, le trésor est où par rapport? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Le trésor, lui, il est dans la patate. Ok. Ça pourrait être ça. On va aller rejoindre Francis. Histoire de finir les courses d'Elena. Et ensuite, on ira un peu voir ce qu'on fait comme trésor. On est quand même à notre cinquième magazine des pilleurs. Voilà, donc c'est une nouvelle. Elle est un peu long, force son dialogue. Est-ce qu'il a des choses à acheter? Ouais. Est-ce qu'on a des choses à vendre? Ouais. La leçon d'Elena, par contre, on y va à fond. Oui, je te donne tout ça. Et oui, je te donne tout ça. Et j'en profite également pour ramasser mes graines étranges. Ici, je vais avoir des choses à te vendre. Je vais avoir des choses à te vendre. On arrose un petit coup. Voilà, je peux te vendre le tapis et ça. Au revoir Francis. Et du coup, notre quête a disparu. Et on va essayer de trouver ce trésor.
Encore. On va devenir expert en chasseur de trésors, hein, à un bout d'un moment. Ça va être plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Je sais pas combien on est censé en trouver. Et on a dit que moi je tenterais bien par là. Et du coup, on a dit le trésor est dans la patate, donc quelque part par là. Sachant que ça nous disait la pluie, la seule façon de faire monter rapidement le niveau de l'eau. La pluie est la seule façon de faire monter rapidement le niveau de l'eau. Là, comme ça, je vois pas l'indice, mais quand même, on dirait que je suis quand même pas si mauvaise en chasseur de trésors. J'en profite pour ramasser les petites coquilles qu'il y a sur notre bateau. Il y en a un paquet. Faut pas hésiter à les ramasser, hein, parce que en fonction de la zone où vous êtes, vous aurez différentes coquilles. Oh! On a même eu du gruau. Ok. Capitaine! Quelle mauvaise prise! Ce qui est logique à cause de la proximité des rives de Flotsam! Cette ville sous-marine de fortune, construite de débris et d'objets flottants. Les rumeurs refont surface. Tu vois ce que je fais? Les rumeurs disent que les habitants viennent des îles voisines, qu'ils étaient fatigués de payer leurs propriétaires et qu'ils sont partis. Ils ont créé un paradis de conteneurs, une place pour tous, pas de loyer. Qui pue et qui est aussi humide qu'une vieille serviette mouillée? Laissez-moi qui le dit, le bon vieux Silverberg. Eh bien, on est des soldats de fortune, on prend ce qui passe, une autre semaine, un autre magazine des pilleurs. Non, mais on va quand même pas attendre encore une autre semaine, un autre magazine des pilleurs. Sois sérieux. Ouais. Tu m'ennuies un peu, je. Parce que une semaine, c'est long en jeu. On va se laisser jusqu'à demain matin, là, voir si à tout hasard Jackie nous donne pas une nouvelle quête. Et puis, bah, s'il nous donne pas de nouvelle quête, on va peut-être doucement arrêter le let's play là et emmener Stella au seuil éternel. Parce que on va quand même pas non plus passer 15 semaines à attendre nos magazines des pilleurs. Même si on voit bien doucement, enfin il nous dit des choses, il nous parle de choses par rapport aux endroits où on trouve les trésors. C'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore fait le tour de la map, mais quand même ça va être un peu long. Donc j'ai dit qu'on attendait la semaine. J'ai rien mis ici à pousser. Mettons un truc à pousser, n'importe lequel pour nos abeilles. Histoire d'avoir du miel. Et d'ailleurs, Jackie nous donne du miel, il aime la viande. Est-ce qu'on n'aurait pas une recette qui allie le miel et la viande? Je suis à peu près sûre que si on doit avoir du. Poulet, peut-être bien. Carottes et miel, non. Miel et farine, non. Miel et porc, jambon au miel. On va essayer, je crois qu'il m'en reste, hein, du jambon au miel. Je pense qu'on va essayer de lui donner ça. Ce serait dommage que ça soit pas ce qu'il aime, mais on sait jamais. C'était. Je voulais ramasser. Je voulais ramasser.
Je peux peut-être planter encore quelque chose. Une flamboyante. Voilà, c'est parfait. On a Buck. Je l'ai vu ne plus être content. Est-ce qu'on aurait oublié de le nourrir? Peut-être pas. Peut-être qu'il va en avoir marre de la chasse au trésor comme nous, hein, qui sait? Mais pour l'instant, on est un peu coincé. On n'a plus aucune requête à part emmener Stella et Daffodil au seuil éternel. Et je vous avouerai que j'ai pas envie. Ben, je pensais qu'avec justement ma stalle améliorée, c'était pas grave que mes animaux ils auraient plus faim. J'ai pas du tout comprendre parce que là elle avait super faim. Du coup mes moutons doivent avoir super faim aussi. Ben oui, mes moutons ont super faim aussi. Je les nourris avec des olives, hein, c'est pas. On dira rien. Voilà. J'ai plein d'olives. Allez, petit temps passe. J'aimerais pouvoir voir si on a de nouvelles choses. Parce que là, c'est vrai que du coup, on est un petit peu coincé. Peut pêcher, tiens, pendant ce temps-là, plutôt que rien faire. Mais c'est vrai que on a des lueurs qui nous servent à pas grand-chose, hein, qui nous servent à acheter des ressources. Et on n'a plus vraiment besoin d'acheter des ressources par éventuellement pour cuisiner. Ou quand Elena nous donne des requêtes d'outre-tombe. Anguille. Puis il pleut, on voit doucement la lune qui descend sur la droite. Il va bientôt faire jour. Ça va être parfait. Devrait plus tarder. Allez, levez-vous. Voilà, c'est le matin. Lily est partie. On va voir si Jackie a des choses à nous dire. Et ben, s'il a rien à nous dire, on arrêtera l'épisode là. Déjà, notre cher ami Buck a faim. Il doit me rester de la pizza. Il me reste de la pizza. On peut lui parler. Il aime pas la pluie. Lui faire un câlin. La pluie gâche la journée. Ça, c'est toi qui le dis. Et du coup, Jackie est-il sorti de chez lui? Pas encore.
Bonjour! Et il aime pas la pluie non plus. On peut le nourrir, mais il a déjà mangé. Et normalement, il va pas vouloir de câlin. C'est ça. Donc. J'ai l'impression qu'on est un peu sur la fin. Eh bien, du coup, je vais vous laisser là. Voir un peu, peut-être éventuellement me renseigner si on a une suite de quêtes, hein, si je peux espérer quelque chose ou si bah, c'est vraiment la fin. Et on se retrouve en tout cas au moins pour un dernier épisode pour eh bien, emmener Stella au seuil éternel. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!